L'histoire, sur le fond, c'est les inégalités entre les éleveurs samis et les revendications des éleveurs samis pour leur droit à la terre vis-à-vis des conséquences de la colonisation de la Laponie par les Suédois. Parce que il y a 20 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser aux histoires des samis, c'est-à-dire peu de temps après mon arrivée en Suède, le premier reportage que j'ai fait en Laponie en 1997-98, c'était sur une histoire de procès justement qui opposait un clan d'éleveurs de rennes à un groupement de paysans et de propriétaires de forêts, ce qui est en fait la toile de fond de la Montagne Rouge. Le livre Pépite, c'est les livres auxquels je pense en ce moment. Les livres auxquels je pense en ce moment, ce sont des livres de jeunes journalistes avec qui je suis en contact, parce que je fais de la formation aussi de journalistes, et ils ont des projets de bouquins en échange sur leurs embryons de livres. Et c'est ces livres-là que j'ai en tête. Moi, je suis impatient de savoir comment ils vont les faire avancer, comment ils vont les faire évoluer.